Alors, amendement identique, Madame Obono pour le 367 et Madame Faucillon pour le 586. Ce sera ces messieurs qui défendent les amendements. Alors, c'est un amendement de suppression parce que cet article, pour nous, constitue un rabot majeur et inacceptable des droits procéduraux des demandeurs d'asile qui n'obéit qu'à des considérations visiblement budgétaires et comptables. Le contenu de cet article qui fera basculer de nombreux demandeurs d'asile dans une procédure accélérée qui s'apparente à de l'abattage est inacceptable. En voulant diminuer de 120 jours à 90 jours le délai entre l'entrée sur le territoire et le dépôt d'une demande d'asile pour avoir droit à un examen dans le cadre d'une procédure dite normale par l'OFPRA et la CNDA, le gouvernement propose ce qui est dans les faits un rabot budgétaire au détriment des droits les plus fondamentaux des demandeurs d'asile, notamment celui à un examen sérieux de leur dossier. Comment osez-vous ainsi, pour des personnes qui ont pu avoir des parcours migratoires traumatisants, qui ne connaissent pas notre langue, qui ne connaissent pas les subtilités de notre droit et de notre procédure d'asile, de leur retrancher 30 jours d'autorité? Par cet amendement, nous proposons de préserver le délai actuel maximal de 120 jours, prévu à l'article L723-2 du CESEDA, bien plus garant des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Finalement, on voit que l'exception finit toujours par devenir la norme en la matière et que la procédure accélérée finit par devenir effectivement quelque chose de normal, alors qu'elle est censée être mise en place, en théorie, pour désengorger le travail de l'OFPRA et de la CNDA. Non, ce qu'il faut véritablement, c'est recruter des effectifs à la hauteur des besoins. Visiblement, le PLF 2018 n'était pas à la hauteur, ce qui vous conduit à faire ce genre d'article, alors même que nous avions alerté sur la situation pendant ce même PLF 2018.